What's up? Ici William Christopharo. Bienvenue au podcast du cerveau qui roule. Aujourd'hui, on est au stop numéro 6, la tournée Technicals des Aliens à la salle. Donc, sans plus tarder, écoutons l'épisode. Allez, OK, guys. Le caspirateur! Ah, oh, ça a passé flash! Oui! Oh non, il a levé la tête un petit peu trop tôt! Oui, c'est bon, on se relève, on touche pas au sol! Allez, viens, on touche! J'ai aimé la détermination qu'il y avait! C'était parfait! Oh non! Et voilà, ok, j'en ai un qui a réussi parfaitement. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Deux. Et j'en ai deux, Elena. Pour Kamal. Ok, c'est Kamal, mon pain. Tu vas aller chercher un t-shirt à la tente Technicals. Tu peux aller t'en prendre un tout de suite. Et ici, je vais vous remettre des cartes cadeaux. C'est quoi ton nom? Kamal. Et qu'est-ce que tu trouves qui est cool du limbo skate? Limbo skate, j'adore, et aussi, j'adore quand on se baisse, et on se met couché. Mais moi, pour ma technique, pour gagner, c'était plus, sur le ventre. Parce que si c'est dans le dos, faut que tu te lèves, faut que tu t'en places. Mais, sur le ventre, tu peux te lever avec les mains direct et mettre tes pieds. Ouais, comment tu te sens d'avoir gagné? Première place, très content. $25 en plus. Comme acheter des trucs. Qu'est-ce que tu vas t'acheter? Je ne sais pas. Des collants? Quoi? Des collants? Non. Félix, c'est toi qui as gagné le hippie jump. Yeah man, c'est moi qui ai gagné le hippie jump. Est-ce qu'il y a un moment depuis que tu fais du skate, un hippie jump moment que t'as vu sur vidéo qui t'a inspiré à faire le hippie jump? C'est une bonne question, attends une minute. Un hippie jump. Peut-être c'est-tu Mark Gonzalez dans Cherry? Je pense qu'il le fait dans Cherry, en noir et blanc, à New York. Là, il y a comme un bump bar. Puis après, il y a Alex Olsen qui baisse et flip par-dessus. Ça, c'est un sick ass hippie jump. Ouais. Ça, ce serait le moment. Ouais. Mike Gonzalez, c'est un sick skater. Là. Il a l'air d'avoir du fun. Fait, c'est un sick trick, hippie jump, man. Pas trop difficile, tu sais. Pas trop de danger non plus, tu peux juste y aller. Ah, mais c'est ça que tu sais quand il y a un handrail, tu sais, tu peux puis jump le handrail avant de le aller, tu sais, des fois, c'est moins de risque, tu sais, c'est comme. C'est le fun. Yeah, Jeff! Oh,
suis même pas, je suis encore à la flotte. Comment tu trouves ça, skater les démos? Ben, c'est le fun, on peut skater avec nos amis, on peut skater avec des gens plus vieux. Puis ben, en mettant ils font des trucs plus durs que toi, ben tu veux faire des trucs plus gros qu'eux. Mais est-ce que eux ils font des trucs plus durs ou c'est toi qui fais des trucs plus durs? Je sais pas. Ouais, ben... je sais pas là. Ben je crois que moi, hein? Mais je sais pas. Comment? Ben j'essaie de faire les trucs les plus durs que je peux là. Nous on fait des démonstrations, mon micro marche mal. On a commencé à inviter des jeunes comme lui dans le skatepark, mais vu qu'ils sont meilleurs que nous, on va les éliminer par un. Avec qui tu aimes skater le plus dans le démo? Ben pas mal tout le monde, sauf Guillaume Brunel. Lui, il est vraiment bon, fait que ça. C'est dur un peu sur notre orgueil. Fait que on essaye de. Non, mais tout le monde aujourd'hui, il y avait quelques bons amis à nous. Fait que c'est tout le temps le fun de skater avec des amis. C'est tout le temps le fun de skater avec des enfants de 10 ans qui nous battent les fesses, des légendes comme ça. Fait que on en profite pendant qu'ils sont pas encore assez grands pour les éduquer un peu. Mais le gars, il shred, des gros shredders, man. Surveillez-le, cet enfant-là. C'est une machine. Yeah, c'est ton truc préféré de Guillaume? Mon truc préféré de Guillaume? À part quand il dort, le gars, il a des bons. Fait des kick front feet, man. Allez, kick nose grind. Nose grind. Tu fais pas des backsmith flip out, toi? Dégueulasse. Un petit peu de tout, right? Ah, ouais, ah, il fait tout. À chaque fois qu'on le voit, il fait des nouvelles choses, man. Puis ça nous rappelle qu'on vieillit. Ouais. Toi, c'est quoi ton truc, ton favorite trick de démo à faire? J'aime bien dans un classique, des crooks, des nose grinds. J'aime les longs trucs, les gros trucs. Il y avait moins de technique un peu quand nous, on skatait plus jeune. C'était plus long, gros, sauvage, impressionnant. J'aime bien le feeling d'un bon crook, là, bien longtemps. Les longs nose grinds, les down ledge, j'adore. Ouais. Yeah man! Si tu pourrais prendre un truc de Jeff Lore! Un truc de Jeff Lore? Man! Un truc extraterrien, sûrement le. Je sais même pas comment dire. No Comply, Boneless, 360, McQuiss, Frontboard, man! Ça c'est sick! Puis il flippe ses mains, man! Il lance des rails! On comprend rien, man. Un truc qu'on comprend pas, là, à la Jeff Lore, bien sûr. C'est le meilleur nom de truc. Le meilleur nom de truc, man. Mec croquette, flip, shove out, grab. Yeah, man. Seb, tu prends-tu le micro? Oh. Tu prends-tu le micro, Seb? Je passe le micro à Sébastien Boisvert, fondateur de Technical Skateboard. Yeah. Qu'est-ce qui fait rouler ton cerveau? Le limbo, le démo, les best tricks ou la photo de famille? Ce qui fait le plus rouler mon cerveau, c'est la photo de famille parce qu'on est tous réunis ensemble. Mais c'est l'ensemble de toutes ces choses-là mises ensemble qui font que je pense qu'on a des liens unis. On a tout un cerveau, hein, tout le monde ensemble. Quand on les connecte un à l'autre, on crée des vibes exceptionnels. Toi, t'as un cerveau. Moi, j'ai un cerveau. Ouais, c'est vrai. Jeff, oui, c'est un Hellion, man! C'est beau! C'est-tu ton Hellion préféré de la tournée? C'est pas mon Hellion préféré. C'est LE Hellion de la tournée. Comment tu dis avec un micro, Jeff Lord? Ah ouais? Quel genre de vedette? Comment? Moi, c'est un vieux loup, là. Bon, c'est là. Les gens aujourd'hui, là, c'est la relève, ils sont rendus en forme. Les autres, ils sont tous implantés. Mais là, je les ai pas vus faire aucun boneless. J'ai pas vu, je vais faire un boneless. Dans maintenant. C'est là que ça va se passer. Explique-moi donc. Tu vas le faire avec le mic? Tu vas le faire avec le mic? Vas-y. Avec pas ton boule puis un mic. Pas ton boule, un mic. Passer de ici, l'extraterrestre, ça fait tout ce qu'on veut.
Nice! Voilà. J'ai un truc que j'ai appelé le Jeff Rohr, inspiré de Jeff Rohr lui-même. Quand il est arrivé en soucoupe, tout de suite, il m'a montré comment faire. Je vais essayer de le faire pour lui rendre hommage. Vous rends le micro, Mike. Merci. Personne ne peut faire le Jeff Rohr comme Jeff Rohr. Personne ne peut le faire comme lui. Même moi, je suis pas capable. Mais on essaye, hein? On essaye. Ton moment préféré aujourd'hui? J'ai adoré le petit best-trick qu'on a fait pour les adultes. C'est cool, technical pour les enfants, mais il y a beaucoup d'adultes qui sont hype aussi. Là, fait que c'est vraiment cool que tout le monde soit inclus. Yeah, buddy, $100. 10 pièces, 30 pièces.